Voilà plusieurs mois qu'entre Samuel Le Bihan et Stefania Christian, si est-il les montagnes russes. Mais récemment, le comédien était décrit comme étant célibataire par le journal Libération. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir une pensée pour la jeune femme, de 26 ans sa cadette. Il sera de retour dès le mois de décembre dans la série Alex Hugo. Série qui célébrera ses 10 ans l'année prochaine. Cette 9e saison semble déjà bien différente puisque Samuel Le Bihan ne donne plus la réplique à Lionel Astier, qui incarnait Angelo, ce dernier étant parti à la retraite. De nouveaux personnages feront-ils leur apparition, à notre plus grande surprise? Tout est possible et le comédien se voit déjà jouer, pour les caméras de France 2, les amoureux transis. J'aimerais qu'Alex Hugo tombe amoureux, explique effectivement Samuel Le Bihan dans les colonnes de Télémagazine. Je ne suis pas producteur ni scénariste de cette série, mais on arrive à un moment où une aventure amoureuse pourrait se glisser dans sa vie. On a touché ça dans le prochain inédit avec Anne Charrier. Il y a une espèce de jeu de séduction entre eux deux, la possibilité d'un couple. Côté cœur, si est-il les montagnes russes pour l'acteur de 58 ans, qui s'est récemment séparé de sa chérie Stefania Christian, selon les informations du journal Libération qui le décrivait comme un père célibataire de 3 enfants. Mais au moment de son interview pour Télémagazine, il était encore sans doute en couple puisque le journaliste lui a demandé si sa compagne pourrait finir par intégrer l'aventure Alex Hugo. Je suis prêt à tout, mais ce n'est pas à moi d'imposer quelqu'un, assurait-il. Je sais d'expérience que ça ne fonctionne pas. Il aurait bien besoin, parfois, du soutien de ceux qu'il aimant sur le tournage. Cet été, Samuel Le Bihan s'est blessé en incarnant, justement, Alex Hugo. « Je me suis fait une grosse entorse », précise-t-il aujourd'hui. J'ai sauté d'un mur, le sol n'était pas stable et je me suis mal réceptionné. Je ne suis pas encore remis, je me suis déchiré le tendon. Ce sont les risques du métier. Retrouvez l'interview intégrale de Samuel Le Bihan dans Télémagazine, édition du 21 novembre 2023.